Richard Berry témoigne de sa tristesse après la disparition de France Gall des suites d'un cancer, et estime ce décès injuste. C'est vraiment très injuste et violent. France Gall avait encore tant à faire, confie le comédien dans les colonnes du Parisien. J'ai aussi pensé à la douleur de cette vie qu'elle a traversée avec les disparitions de Michel Berger, puis Pauline, sa fille. France s'est renfermée, recroquevillée sur elle-même, poursuit l'acteur de 67 ans. Elle a quitté le monde du show business pour vivre caché. Fermer les guillemets. On sentait qu'elle n'avait plus envie de communiquer. Le décès de Pauline a été terrible, conclut. La chanteuse avait en effet perdu non seulement son mari Michel Berger en 1992, mais elle avait aussi été confrontée à un décès encore plus douloureux, celui de sa fille Pauline 5 ans plus tard, alors que celle-ci n'était âgée que de 19 ans. Le départ de Michel et ma fille n'était pas contre moi. Ça arrive à tout le monde, et c'est encore pire pour certains. Il m'a fallu toutes ces épreuves pour comprendre, ce n'est pas avec le bonheur qu'on avance. Il faut être secoué violemment pour percevoir ce type de choses, pour nous donner une chance de changer, d'évoluer, de grandir, disait quelques années plus tard dans les colonnes de Gala.